Salut YouTube, comment tu vas? Bah écoute, maintenant que tu l'as en moi, ça va super bien, merci. Du coup, petite vidéo pour vous présenter mes derniers matchs que j'ai fait en live hier. On peut voir que je suis encore top 100, mais vraiment tout pile. Et en fait, c'est une session assez sympa parce qu'il y avait pas mal de gros joueurs, dont des mecs top 10. Il y avait des joueurs de SWC, dont Livert. Il y avait Knight X, il y avait Seishizo, que j'ai affronté deux fois. Il y avait même Skit qui était qui est du coup du SWC Corée et qui a fait, je pense, il me semble qu'il avait fait également dans les Hall of Fame. Il devait être ici. Voilà, Skit, il est ici une fois aussi et que j'ai affronté également deux fois dans cette vidéo. Donc voilà, du beau monde. Et donc, je vous laisse avec cette petite vidéo et enjoy. Et bien sûr, si t'aimes bien ce genre de contenu, ce genre de petits replays, RTA, etc., que je fais en live. N'hésite vraiment pas à t'abonner et à mettre un maximum de commentaires, de pouces bleus, tout ça que tu connais pour le référencement, comme ça. Je vois que vous aimez bien et du coup, je continue tout simplement. Skin Lapis Bug? Ouais, on a tous le skin Lapis là actuellement. Est-ce qu'il va jouer à Chroma, Leona, tout ça ici ou pas? Je pense pas que Leona soit très forte à ce moment-là de la draft. Akroma par contre c'est fort. Mais je pense que ça se gère. Revoir ma vie sociale. Ah merde. Nora. Ok. Est-ce que je peux faire un truc comme ça là? Ça se fait ou pas ça? Je pense honnêtement que ça peut se faire, ça. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Prends de ban Neftis et moi je banne le last. Le petit vert, c'est bien quoi. Et si le last est nul, je banne Akroma en vrai. Je pense. Je pense que je banne Akroma. Je pense que Kinky est moins grave qu'Akroma, non? Je pense que Kinky, je suis censé pouvoir le gérer normalement. Plus facilement qu'Akroma. Parce que j'ai le stun de Charlotte. J'ai break attack Glancing, ce serait un légume, non? C'est quoi? Je repars sur mon. Ouais, ok, je pense que je. On va tester au pire, hein. On verra bien si je pouvais pas le gérer, mais je pense que je peux le gérer. C'est quoi le best en RTA, Wunsa ou Leona? Ça dépend de la draft, mais j'imagine qu'en moyenne, ce sera plutôt Wunsa. Ah, du coup, je fais pas Seal, malheureusement. On va tenter les stuns pour le Kinky. Ok. Une touche, je rééduque TB à Navelle, s'il te plaît. Ok. J'avoue que ça m'a fait peur. Là, je skill 3 et on est bien normalement. Voilà pour le coup, dans ce cas-ci, le Moor il a pas beaucoup strip, hein, donc s'il avait ban Jogun, j'étais un peu dans la merde. Mais bon, petit détail, c'est un détail. Mais ouais, des bombes, un break def, des stun plus dot et tout, un anti-buff, un inner def, beaucoup de dégâts. Ça counter Leona. Et il faut de la précision parce que souvent il y a des Leona sans res.
J'ai double lead, j'ai double strip, donc je prends déjà un contrôle ici, et je me dis que je peux mettre un contest speed en plus, comme une Kabila. Potentiellement. Prendre Oliver Sekhmet avec une Masha, ça fait peur quand même. Parce que le combo Oliver Sekhmet il me fait un peu peur. Souvent je joue Masha contre ça. Mais quand forcément c'est first pick Masha en face, c'est un peu plus compliqué. Léo Masha. Ouais, j'ai envie de faire une Elena là. Genre vraiment. Et ban Sekhmet. Je pense vraiment que ça peut le faire. J'ai des gavants malheureusement. Après, ça peut défoncer l'Oliver. Que j'ai besoin d'être speed. Bon, en vrai la Masha elle peut être rapide. Après je m'en fous qu'elle soit rapide. Après je prends une attaque, non? Quoique en vrai la Geno plus Oliver peuvent me speed si je fais ça. Ah, aucune chance, non? Nah, aucune chance, aucune chance. Je prends une attaque. Je prends une attaque. Est-ce qu'on est bien? Yoradia, t'es bien quoi? C'est ça que je pourrais le mettre dans le titre. Ok. Est-ce qu'il tente de crit mon Poséidon? En vrai, c'était peut-être un petit peu dangereux quand même, je vais pas vous mentir. Mais là, je pense qu'on est bien. On n'a pas eu la Juno, c'est un peu relou. Mais je pense que j'ai pouvoir la tuer, en fait, tout simplement. Normalement, là-dessus, ça meurt. Je dismount ça. Et ma Elena finit le boulot, je pense. Ok, on est bien. Merci, Elena, pour tes services. Merci ma petite Elena pour tes petits services là, ça fait plaisir. Et Théo en plus lui. Ah oui, t'es 8ème lui. Oups. Ok. Pas de Neftis, je peux comprendre. On va faire ça. On va faire ça. Oh là, je vais prendre un Verdé là, en vrai. Je pense que je prends Verdé là, Swift. Au moins qu'il soit vraiment ultra fast. Je pense que c'est ça qui me fait le plus peur, honnêtement. Ça va être le plus rapide. Ou alors il a vraiment ça en Swift avec ça en Swift. Et qu'il me banne ça. Ça pue, non? On va tester, hein. On verra bien, hein. Au pire, on verra bien pour la prochaine fois. J'espère qu'il mode speed pas, qu'il est pas en full swift. En vrai, il est G3, et il a une draft comme ça, donc ça se trouve, il est. J'ai peur, mais en vrai, j'ai trop besoin d'RNG pour remonter sur le draft, Pitou. En fait, je pense qu'il faut que j'essaie d'autres taux de speed, mais je déteste les lead 24 plus. Ouais, il est en swift. Ah putain, ça pue. Ça pue la merde, là. Je peux pas faire ça. Il joue avant. Ah, je me doutais bien qu'il allait être en Swift. J'aurais dû mettre un vrai contest et pas un Verdé. Et j'aurais pas été si mal que ça. Là, je suis obligé de tenter des trucs parce que sinon je gagnerai jamais. J'ai 0 stun. Ouais. Bon, de toute façon, la Xiana jouait dans tous les cas. C'est impossible à Bruiser, j'ai l'impression, des oracles. Enfin, il faut trop de chat en fait pour Bruiser ça. Et je fais pas Masha non plus parce que tu prends Shiu, Barbara, tout ça.
c'est trop dur. En fait, il faut que je te speed, mais ouais, lead 24 secmètres. Bah, c'est déjà mort pour moi un peu. Et j'ai pas vraiment envie de force ban là-dessus. Parce qu'après, tu prends un Douglas et c'est fini quoi. Donc, ouais, j'ai du mal contre ses compos. J'ai toujours eu du mal contre tes compos. Souvent, je chatte. Il faut que je pique quand même, ce serait un peu mieux. On va partir là-dessus. J'aime pas du tout Hong Pong ici. Il a été pique auto. J'aurais pas dû parler autant. Pour l'instant, je vais prendre Gianna parce que je suis pas si rapide en fait. C'est ça le problème. Ouais, je pense que je suis obligé de ban Gianna. Et de prendre un Bowser haut. Je pense que j'ai quand même pris un Poséidon ici. Ça peut carry. Ah, j'aurais dû prendre Jogun Poséidon ici, ça aurait été beaucoup mieux. Et derrière avoir un meilleur pic adaptatif par rapport à un Chongpong, parce que le Chongpong il va rien faire là. Potentiellement il va mettre un break def. Quand tu cherches la Chroma en dernier. Avec les multites. Ouais, Miles il aurait été bon, mais on laisse pick adaptatif, tu vois. Pas directement en fait. Ouais, je suis obligé de mettre le buff attaque et tout, et de tout taper parce que sinon. Bah, ça va pas le faire quoi. Il faut que je tente des break def. On a break def le singe, c'est pas mal du tout en vrai. Et on l'aurait dû KTB. Ok. Ici lance qui? Il fait skill 1 là-dessus? Non. Tu fais pas ça quand même. Faut vraiment qu'on tue ça très vite. Ah ouais, il tape. Il tape ultra fort avec sa Dacroma en fait. Je pensais pas qu'il ferait autant de dégâts. Je vais pas te mentir. Faut vraiment que je la tue vite, qu'il ait plus de sustain en fait. Faut que je la dismount. Arrête! Arrête de proc! Tu casses les couilles, ok? Je te le dis, entre potes, tu casses les couilles. Toi, tu crites alors que. C'est pas grave. Mon problème, c'est qu'il va me silence. Ah, je suis obligé de le tuer, du coup. Vite possible. Pourquoi ne pas le tuer le singe? Parce que je comptais le tuer avec Moore. Parce que là, je le tue en hour. Crit pas. Ok, arrête de proc. T'en as déjà beaucoup des procs là, mon frérot. Ok, faut que je tue ça. Faut pas qu'il crit, quoi. Ok. Ok. L'arrêt sur le silence, ça a mis bien. Je parle de tous les trucs qui ont pas mis bien ou pas? Elle a fait 23 speed. Je suis désolé, mais. C'est le même. Je reprends pas Triton, parce que ça avait pas haute speed sans lead. Et en ça, je pouvais pas vraiment prendre Tyron. En vrai, je vais tenter un truc. J'ai tenté un truc, ok, les gars? Ça marche par contre. J'espère que ça marche par contre. Parce que sinon je vais être un peu déçu. Ah, quoique, contre un Tianlang en fait, c'est un tour en plus ou c'est de la TB qu'elle gagne, non? Ouais, c'est 100% ATB et fuck. Ah, du coup ça marche pas en fait. Du coup je suis obligé de faire ça là. Ouais, du coup ça pue un peu plus là, forcément. C'est quoi, j'ai quand même envie de prendre un putain de verdé. Tant pis. Merci beaucoup Dijo pour ton sub. Merci beaucoup mec, j'espère que tu vas bien. Est-ce que je banne Tianlang? Et je fous le cycle genre. Je pense hein. Il banne Chongpong.
ban Champong là. Ce serait le plus logique. J'avoue que si ban Champong, on n'est pas si bien que ça. Hein. À part si on arrive à freeze. Hein? On n'est pas si mal là, je pense, du coup. Yo Beagle, t'es bien quoi? Est-ce que la rune sabotait un peu? Non! J'ai eu plus de 23 speed. J'ai eu un proc à plus 5 speed. Du coup, je suis très content. J'ai pas compris le ban. Moi non plus. Surtout avec une Riley. Je pense qu'il s'est dit que j'avais ban Riley. Il a réussi à avoir le vert D. Tant que j'ai les réduits KTB, on est bien encore. Ok, on a les réduits KTB. Il n'y a pas de raison de pas skill 2 ici. Dans tous les cas, la Riley, on va beaucoup la taper là. Est-ce qu'il y a un monde où je fais skill... Non, j'ai oublié skill 3 là. Faudrait qu'on arrive à sortir la Riley assez vite. Ou alors les menaces. En vrai, je pense que je vais sortir les menaces en premier et pas la Riley. Tant pis pour la Riley. Là, on silence. On silence pas la Riley, mais bon, tant pis. Au moins, on a un bon stun Léo. C'est toujours ça. Bah, du coup, il est plus stun. Du coup, il est plus break def, il est plus silence, ni rien. C'est pas grave. Bah, du coup, elle non plus, hein, forcément. C'est pas grave. Ça arrive. Mais c'est un peu chiant. C'est un poil chiant, quoi. Parce que là, ça devient plus compliqué à potentiellement gérer assez vite. Et on la passe trip. Ça commence à être un peu relou, là. Parce que Neftis, là, elle va faire mal. Est-ce qu'on la reset, la Neftis? Je sais pas. Est-ce qu'on peut la tuer, là? Ok, ça va, on l'a tué. J'abandonne. Je pense que je l'aurais quand même tenté, ça. Non, il a juste résiste Lunix. En fait, il avait 100% un TB et ensuite il a résiste. Elle est en triple rêve, hein, ça. Laima normalement. Semble qu'elle est en triple revenge. Elle prend les 33 du coup. Est-ce que c'est le play? Je sais pas. Je suis pas sûr. Je vais tester. On va voir ce que ça donne. Une grosse pointure. Ouais, il est top 10 quoi. Comment il peut se dire que c'est mob et ok? Bah surtout en étant lead 33 quoi. C'est ça qui me fait le plus chier. Si t'es un lead 24, je serais là. Bon bah voilà, ok. Pourquoi pas, tu vois. Mais en étant en lead 33. Sachant qu'il n'y en a que très peu dans le jeu et que tous les autres sont pourris. Bah ça fait chier quoi. Ça fait un peu chier. Veromos. Il me banne pas Neftis du coup, il me banne genre Macha. Mais je pense que je fais quand même ça. Parce que c'est pas si grave que ça, le Veromos. Je suis pas obligé de skill 2 Neftis en fait. Je préfère prendre beaucoup de tours et tout là. Peut-être que c'est mieux. Je sais pas trop, on va voir. C'est un test au pire, hein. C'est un test. De toute façon, elle est reset. Dans tous les cas, elle est reset, donc bon. Ça n'aura pas changé grand chose. Autant faire le skill 2 pour les dégâts là. Pour être honnête, autant faire le skill 2. Et là, Oliver va commencer à jouer, ne plus s'arrêter. Oh, il crit Majuno! Oh, c'est sérieux ça? Oh, il a vraiment fait ça? Oh,
Oh, il a vraiment réussi à crit. Oh putain, ça c'est pas de chance par contre. Ça c'est vraiment pas de chance par contre. Ah, je pense vraiment que j'avais la draft là, hein. No joke, hein. Je pense vraiment qu'on était trop bien là. Il crit, c'est un petit 12k là, qui met bien. Et c'est un bon stun. Pas perdu. C'est pas perdu non plus. Je suis en revenge. Hein. Je suis un petit peu en revenge quand même, mine de rien. Ça fait un peu chier. Ah, je suis obligé de faire ça. Ok. Tu dégages. Et là, mon mour à son skill 2, il va faire mal là, en vrai. Ah, le mour, il va faire mal. Après, j'ai 0 stun. Hein. Est-ce qu'on peut tuer ça assez vite? Au moins en silence. Normalement, j'ai gagné la contre-gang. Ok. J'ai du mal contre Knight en vrai. Il a des runes de bâtard. Il a vraiment des runes de bâtard. Bah, tu peux un Veromos? Bah, bien vu ça. Bien vu ça. Je me suis fait battre, ouais. Chongpong, ok. Pour l'instant, je prends Macha, Neftis. Ouais, je pense que je prends Neftis et Macha, là. Quoique, est-ce que je prends le Verde? Si je prends Verde, il prend Egang, en général, dans ses drafts. Et je pense qu'il a un Egang vraiment rapide. Ouais, je pense que je prends Macha, en vrai. Je vais tester avec Macha en 3ème pick. Parce que quand je prends Verde, en général, j'arrive pas trop à le gérer. Et il prend tout le temps son Egon en fait. Quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il prend un lead speed? Ah, Sekhmet. Ok, Juno, ça me va, je pense. Je pense qu'il me faut quand même un VRD du coup. Je pense qu'il me faut quand même un VRD du coup là. Et il me ban Neftis, je pense. Je ban le last. Je gère directement son Carnal. Est-ce que c'est faisable ou pas ça? Ah, il va être dur à gérer assez vite le Carnal en vrai. En fait, ça va dépendre des stuns du Carnal, je pense, sur son skill 3. Molong. Est-ce que je peux gérer Molong? Je pars du principe que je banne le last, non? Et que j'essaie de gérer ça. Normalement, ça, ces deux-là, je peux gérer. Normalement, les gangs, ça devrait aller. Il va être chiant, évidemment, mais faut vraiment que je tue Carnal très vite, quoi. Peut-être que si je tue Carnal très vite, je peux gérer. Il me banne Neftis, probablement. Il banne en effet Neftis. Est-ce que j'ai des dégâts pour le Carnal en fait? C'est ça le problème. Surtout ça le problème. Surtout qu'il a un lead 44% HP. On va essayer de tout mettre, hein. On va tout mettre dessus, je pense. Hein. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Est-ce que je peux avoir des petits stuns ici? Ça mettrait bien aussi. Egang. En vrai, c'est pas si mal le Egang stun. Il pourra pas être de glancing sur le Verde, ni la Macha. Il fait son skill 3. Ah, ça va un petit peu dépendre des... C'est dommage parce qu'il est en revenge. Hein. Il est vraiment en revenge, mon Verde. Et il veut pas revenge, en fait. Revenge, frérot. Fais des trucs. Est-ce qu'on peut le stun? Ça c'est huge. C'est big. Alors, je mets tout, hein. Faut vraiment qu'il meure très vite.
Revenge, putain. Tu te fais taper genre 150 fois. Merci, putain, enfin. Enfin, revenge. Ok, là, je pense que je laisse Macha tuer ça. Clac, clac. Ok, petit slow. Tente le stun, hein. C'est jamais. De toute façon, j'ai un glancing. Là, skill 2 pour les damage. Le skill 2 pour les damage. Ok, dommage. Hop. Athéna devrait pouvoir tuer le Chongpong. Même en glancing. Ah, elle tue pas, fuck. Après, il a que le skill 1, non? Oh, c'est un bon stun, ça, putain. Il a rien, non? En vrai. Il a rien. Faut que j'aille sur la Juno, j'ai pas le choix. Ok, nice. Ok, nice. Nice, nice, nice. La Macha, elle a bien proc quand même, je sais pas. Elle est pas runée actuellement. C'est que mettre Laima. Et gang direct. Je vais pas prendre Triton parce que sinon il prend. Prend l'autre truc là. Je pense que j'ai une homolie, c'est pas mauvais ici. Je vais tester un peu. Je vais tester un petit peu. Change de titre, oh flemme. Flemme. Mmh. 23 speed, perfide. Tu peux juste dire 23 speed tout le temps, c'est pas très très grave à dire. Hein. Ok, je pense que c'est une draft Riley, où je cleanse l'oblivion de ça assez vite. Donc ça fait double cleanse. Du coup la René, normalement je suis censé cleanse son oblivion assez vite. Merci Screen pour ton follow. Oh, tu sais quoi, en fait je peux vite faire une commande. Edit rune 23 speed DTC suite slot 6. Voilà. Ça vous avez juste à faire rune maintenant s'il y a des gens qui demandent. Check. On va faire ça comme ça. Ça upgrade mon compte, ouais. Ça upgrade mon VRD de 2 de speed. Et franchement, je prends. Franchement, je prends. Parce que j'ai pris un pari, hein, clairement, sur cette rune. Swift. J'ai vraiment fait un pari. Et bah, le pari a payé. Donc, j'avoue que je suis assez content. On va aller sur Riley à fond. C'est logique. Il proc. C'est un bon proc parce qu'il n'avait pas pris la TB. C'est un bon proc, là il va aller Oblivion Juno, j'imagine. C'est un bon stun. Donc là, il va skill 2. Ok, j'ai full glance, mais c'est pas si grave. Là, on va faire ça. Glance aussi, c'est dommage. Essayez de tuer ça le plus vite possible, hein, il a raison. Il crit, hein, c'est à son habitude, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave en vrai. Je vais essayer de stun ça. Un petit peu l'amortir. Là, on va juste faire ça pour l'instant. Il a déjà ça? Comment ça, il a déjà ça? C'est dommage que si je crie tout à l'heure, je tue le Oliver. Hein, alors que lui, il full crit sur du feu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, je suis obligé de glance, mais il faut vraiment que je le tue très vite, en fait. C'est ça, le problème.
Bah ça alors, vous allez pas me croire, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Je vous jure c'est vrai, le Oliver n'a pas proc. Ok. Ouais, je dois faire ça. C'est un bon stun ici. Je pouvais pas trop me permettre d'immu ici en fait. Il fallait que je tue assez vite. Là on a ça, il va pouvoir... Ouais mais bon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas trop le choix malheureusement. Ce qui est cool c'est qu'elle est en Némésis. Par contre il l'a tout le temps hein, ça. C'est un truc de fou. Hein. Il l'a vraiment tout le temps ça. En fait elle fait super mal Zekmet, faut que je la tue assez vite en fait. Je vais me remettre ça, tranquille. Tranquille ou bilou. Skill 2, mais ça me fait proc ça. Je tente quand même les stuns, hein. J'ai pas trop le choix, faut que je fasse un maximum de dégâts. En fait, cette Zekmet, elle l'a tous les tours, quoi. Mais bon, c'est normal, hein. Petit skill 1, on se prend 3 stacks. Nice stun. Très très bon stun ça. Allez toi tu arrêtes. Ah, c'est pas si grave que ça l'oblivion maintenant parce que j'ai trop de dégâts en fait. Ok ok. Il me respecte pas avec ses piques hein. Il me respecte pas trop avec ses Véromos, ses Erné et tout là. Ah c'est chiant ça, mais je pense qu'ils vont finir par changer ça, non? Ça m'étonnerait que ça reste comme ça, non? Ça m'étonnerait fort que ça reste comme ça en vrai. Oliver. Zéphine Juno. Je pense que je peux quand même faire des machas là-dedans. Hein. Ah, peut-être pas macha. Peut-être pas macha tout de suite. Peut-être mettre un stripper ici, genre une Tiana. Oh putain, la Tien Lang, c'est vrai. Oh, j'oublie tout le temps. Je prends deux coups. Je prends deux monstres qui se font bien counter par Tien Lang pour le coup. Ça fait plaisir. C'est moi qui offre. T'es trop macha, mais je la joue beaucoup en ce moment, ouais. De fait, j'ai peur qu'avec Poséidon, lui il stun et il se fasse défoncer par la Joséphine. Parce qu'il faut quand même que je prenne du vent. Ouais, je pense qu'il faut quand même que je prenne du vent. Hein. J'ai pas trop le choix. Est-ce que c'est vraiment un ban Tien Lang? Ah, je pense que j'ai pas le choix non plus, ouais. Avec sa PP pour le non, mais je connais en plus, je sais qu'il a Tien Lang. J'ai même pas besoin de sa PP pour le savoir, je sais que c'est Skit. Skit, je sais très bien qu'il a Tien Lang. Parce que je sais pas, j'ai pas réfléchi. On va taper le Oliver pour Glenn, comme ça on stun pas. Ça stun pas, c'est pas un sort qui stun. Tant qu'on stun pas, pour l'instant on n'est pas trop mal. Après, est-ce que là ça vaut pas le coup de stun tout de même? Je pense que là pour le coup. Ah bah. Par contre, je sais pas ce qu'elle a Charlotte aujourd'hui, mais elle fait pas trop son job. Hein. On a raté un crit aussi ici, malheureusement. Après, il a un Glancing. Ça peut carry. Bah, apparemment pas, hein. Pour l'instant, je fais toujours pas mon skill 2, je pense. C'est un bon crit qui ne stun pas. Il a tenté le stun. Je peux comprendre. Tenter la provocation. J'aurais peut-être. Ouais, je sais pas. Je pense que j'aurais tenté le stun skill 1 là. Tenter de break def ça. Résistance, dommage. En fait, il faut que mon Moor tue l'Oliver. Avec les artefacts, normalement, c'est faisable. Et j'ai pas envie de stun avec ma Charlotte. Et du coup, là normalement on est bien. Non? Je pense. Ah putain, il s'est remis bien là.
Il s'est remis bien le cochon là. Ah putain. Easton. Après le Verde, à tout moment t'es en revenge aussi. Hein. Fallait surtout pas qu'il stun là-dessus, donc ça me met bien. C'est très très cool ça. Je défonce à Juno là, non? Allez. Je t'ai assez vu, tu dégages. Ok, ça va, on s'en sort quand même. On s'en sort quand même. Mais il faut se battre, hein. Faut se battre dans le top 100. Et en plus, j'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise session non plus, donc... Donc sur une mauvaise session, je pense que je peux vraiment me faire démonter mes points. Il faudra trouver des petites solutions, parce que je pense qu'il y a encore des trucs où je fais mal. Je pense que... En fait, il y a eu la méta Oliver Sekhmet avec des Juno et tout derrière, où Masha est devenu très très fort directement. Et maintenant que beaucoup de gens jouent Masha, il y a beaucoup de Barbara, Shiu et tout qui commencent à arriver. Il y a beaucoup de Barbara et tout qui commencent à arriver et du coup, en fait, la Masha n'est plus une solution directe. Donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe, je pense. En vrai, je pense que... Est-ce que mettre une Rally aussi... Non, peut-être pas Rally aussi vite. Je pense que je peux prendre la Charlotte. Elle a fait un bon taf. Yumeri, t'es bien, quoi. Ça roule Tao, hein. Merci de passer. Ah, c'est passé, mec. Pourquoi tu paramètres pas la vente des mains? Oh, parce que je suis un gros flemmard, en fait. C'est un peu mon problème, c'est que je suis un gros flemmard. Tu peux m'insulter si tu veux. Ouais, je prends un truc qui s'en fout un petit peu de se faire reset, mais qui n'est pas verdé. Ouais, je pense que je peux quand même prendre... Ouais, non, mais il s'en fout pas de se faire reset, lui. Est-ce que Miles, c'est pas la bonne solution, en vrai, ici? J'ai de la réduction... Merde, j'ai pas de la réduction au vent sur lui. Je pensais que j'en avais. CP est pas mieux que Charlotte ici. En fait, le problème de... Le problème de mon Xiongpong, c'est qu'il est en dispair. Et Charlotte, au moins, je peux contrôler mon skill 3 pour ne pas stun avec. Pour la Joséphine. Ça fait un peu chier de autant calculer ma draft pour une Joséphine, je t'avoue, mais... Parce qu'en vrai, j'ai hésité à mettre Xiongpong quand même, hein. Mais bon. Contre Oliver, je suis pas sûr qu'il aurait tant carry. Ouais, je fais comme ça, je pense. Je fais quand même ça, je pense. Voilà, par contre, faut que mon Moore ne stun pas, en fait. Pour une fois, il faut pas que tu stun là, mon petit Moor. Après, si stun... Ouais, je sais pas. Oh, elle est rapide, putain. The fuck? Waouh. Elle est vraiment rapide, par contre. La Joséphine. Après, elle est le 33. Mais bon, quand même. Et bah sur Riley, j'imagine. Là, je suis obligé de faire ça. Je suis encore sous Will, donc il pourra pas me stun avec Joséphine. Je pense qu'il faut que je stun, là. Faut que je tente un stun, là. Pas grave pour la Joséphine. Faut que je la proc un jour, dans tous les cas. Ah putain, il me stun la Charlotte, par contre. Dommage. Dommage, dommage. Oh, quoique. Est-ce qu'on peut faire des bons stuns, là? C'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. Surtout que lui il proc. Enfin, il glance, pardon. Je pense qu'il faut qu'on essaie de tuer la Joséphine assez vite en fait. Là, elle a pas son passif, donc si je stun, c'est très très bien. Et je stun. On se met le buff attaque et tout. En fait, contre Joséphine, pourquoi j'ai pris Riley aussi vite? Je pense vraiment que Joséphine, ça n'a pas assez de punch en fait. Et du coup, si t'as un monstre comme Riley qui peut full. Ouais, bon. Après, Charlotte, c'est insane, hein. Voilà pourquoi je préfère Charlotte à Xiongpong, entre autres aussi. Mmh, mmh,
C'est grâce à la musique. Je pense, hein. Je pense que c'est la musique aussi, hein.